Là, hello, hello, mes amis. Good morning. Bonjour, Amo. Bonjour, Tchotcho. Bonjour, Fabien. Bonjour, la team. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Good afternoon, good night, good morning. Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue. En douceur, en douceur. Alors, on vous a mis une chanson aujourd'hui en douceur parce qu'aujourd'hui, ça va être la douceur d'une maman. Ça va être très, très beau. Ça va être vraiment au top. Donc, mes amis, vous qui nous suivez régulièrement, partagez. Déjà, je vous invite à partager un maximum. Partagez avec 5 personnes autour de vous. Et déjà, avant de commencer l'émission, je voudrais vous remercier vraiment. Vous remercier parce que notre dernière émission a été vraiment un vrai succès. On est déjà à plus de 300 vues. Donc, grâce à vous, grâce à... Bravo! Donc, on doit vous dire merci, merci, merci beaucoup de votre fidélité. Et là, on vous prépare des choses sans arrêt pour vous permettre d'être bien, pour vous motiver, pour vous booster, pour que vous soyez bien. Et aujourd'hui, alors quelle est la surprise, Tchotcho, aujourd'hui? On est avec qui? Quel est le menu? Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Flavia. Ben oui, la salut belle... à tous! La belle Flavia qui sera avec merci. Nous, qui est avec nous, qui est pas qui sera, qui est déjà avec nous. Donc, elle aura beaucoup de choses à partager avec nous. Donc, on va tout de suite donner l'occasion à Flavia pour se présenter de nouveau parce que peut-être qu'il y aura des nouvelles personnes qui vont regarder le live. Et oui. Donc, Flavia va se présenter. Ensuite, elle va nous dire... Ben, ce qu'elle a amené dans son panier, comme MDC, Siana sur le plateau, comme Siana d'argent. Donc, du coup, elle va nous dire qu'est-ce qu'elle nous a amené, qu'est-ce qu'elle aura à partager avec nous. Et par la suite, hein, vous savez qu'il y aura toujours d'autres choses à partager avec vous avant que nous nous quittions. Voilà. Salut à tous, donc moi c'est Flavia, je suis entrepreneur et vous me trouvez sur les réseaux sur le titre de Biotichou avec un S. Donc entrepreneur et distributrice de produits de qualité. Donc ce sont ces produits aujourd'hui que j'aurai l'honneur de vous présenter. Moi j'ai toujours adoré tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est esthétique et je prends soin de ma peau, donc j'adore conseiller les autres également pour qu'ils prennent soin de leur peau en fonction des caractéristiques de chaque type de peau. Et surtout, généralement, les femmes sont assez pressées, donc elles ne veulent pas utiliser trop de produits, mais elles veulent que ça soit efficace et rapide. Donc, on utilise peu de produits, mais des produits efficaces. Voilà. Super, super, Flavia, vous l'avez entendu, hein? Donc, Flavia aura présenté des produits qui vont nous faire du bien. Donc, n'oubliez pas, dimanche prochain, c'est la fête des mères. Donc, si nous faisons ces lives pour vous présenter surtout les produits qui vont plus vers les femmes, c'est justement à l'occasion de la fête des mères. Cette date qu'on a choisie pour mettre en avant, mettre à l'honneur les femmes, les mamans. Et on profite donc pour vous présenter des produits vraiment en long et en large pour que vous puissiez bien choisir le cadeau qui sera adapté que vous allez offrir aux femmes, votre maman, les femmes en général. Donc, profitez, prenez note. Et à la fin, ou bien pendant les présentations, passez vos commandes, n'hésitez pas, parce que vous aurez les liens, vous aurez les adresses là où vous pouvez passer vos commandes. Donc, pendant vous êtes en train d'écouter, prenez des notes et profitez pour ne pas rater l'occasion de passer vos commandes. À toi, Flavia. Tout à fait. Donc, j'ai préparé une petite vidéo que Siana... va pouvoir vous passer pour vous présenter dans un premier temps ces produits. D'accord. Alors, cette petite trousse Sonia, cet écrin vert qui contient 4 petits réseaux. Alors, patientez juste un moment parce que
C'est pas la même technique. Alors, mes amis, je suis à une anniversaire. Ce sont les joies du direct. Je suis à un anniversaire, mais en fait, j'ai tenu à être là avec vous. Alors, oui, ma vidéo. J'ai tenu à être là. Et vous savez qu'est-ce que j'ai offert comme cadeau? Devinez. À qui? À l'anniversaire. Une trousse Sonia. Voilà. Ok, bravo, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Donc, elle a eu sa trousse Sonia. Elle est super contente. Mais donc, moi, dans mon panier, avant le live, ben, j'ai mis 3 trousses Sonia. Donc, du coup, il y aura 3 mamans, 3 femmes, hein, qui, elles, seront heureuses. Parce que j'ai mis dans mon panier, j'écoute le live et ensuite, je valide. Wow! Bravo, tu anticipes, non mais c'est ça la foi. Wow! Alors, je vais mettre la vidéo. Allez, on y va. On va y aller. Une belle petite vidéo qui a été confectionnée par Flavia. Vraiment du bon travail. Et c'est vrai que j'apprécie vraiment. C'est pas celle-ci, en fait. C'est pas ça? C'est pas la vidéo, non. Ah bon? Je pensais. C'est pas. Non, c'est pas la vidéo. Ah ben, je pensais. Alors, je pense. C'est pas ce que je t'ai envoyé ce matin? Si, mais c'est pas la vidéo. Si. Ah si. Donc, comme vous le constatez, c'est une trousse avec 4 produits qui ont chacun leur propriété et qui concourent tous les 4 à nous donner une peau très douce, très lisse et puis un teint uniforme. Super. Mais dis-moi, Flavia, j'ai vu que sur la trousse de... Du moins, voilà. Avant d'utiliser la trousse, comment on fait pour savoir que cette trousse nous est appropriée? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le bon grain de peau comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer en fait son grain de peau et savoir que, par exemple, cette trousse est plus adaptée ou moins adaptée, ou bien est-ce que cette trousse est adaptée à tous les types de peau? Alors, comme on a pu le voir sur la vidéo, c'est une routine, en fait, ce sont 4 produits pour une peau mixte. Et pour savoir pourquoi la peau mixte, parce que la peau mixte, elle a 2 particularités. C'est qu'on a 2 zones sur cette peau, sur son visage. La zone T qui est une peau grasse, sur laquelle il y a beaucoup de sébum, il peut y avoir beaucoup d'imperfections, des points noirs, des comédons, des points rouges, des rougeurs. Et les joues, la peau, elle est soit sèche, soit normale. D'accord? Donc, c'est une peau qui est assez compliquée, ayant 2 zones. Alors, pour savoir si la trousse est adaptée, si on a la peau mixte, il suffit de faire un test. Donc, dans un premier temps, vous allez vous laver le visage avec un savon, avec un pH neutre, un savon doux. Ensuite, vous allez laisser votre peau tranquille pendant une bonne heure afin que les glandes sébacées reprennent leur action. Ensuite, vous allez couper 2 papiers de soie. Vous allez en coller une sur la zone T et une autre sur les joues. Vous allez tenir pendant quelques minutes. Ensuite, lorsque vous allez l'enlever, si vous voyez que le premier papier qui était sur la zone, sur le front, le nez ou le menton est assez gras et qu'il n'y a quasiment rien au niveau des joues, et bien là, vous savez que vous avez une peau mixte. Et dans ces cas-là, il vous faut choisir un soin adapté à votre type de peau. Voilà, peau. OK, super. Mais à partir du moment où on sait que, par exemple, qu'on a une peau mixte, avec la trousse, comment on fait? Est-ce qu'il y a une étape? Est-ce qu'il y a quelque chose à respecter, une routine à mettre en place, un produit qu'on utilise le matin, le soir? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, alors dans cette trousse, nous avons 4 produits, comme je disais. Donc, dans un premier temps, il faut toujours se nettoyer la peau comme
quel que soit son type de peau, il est important de nettoyer sa peau. D'accord? Mais dans le cas d'une peau mixte, il est très important d'utiliser un nettoyant doux. Alors, on va utiliser le gel cleanser Sonia à l'aloe vera. Il contient de l'aloe vera, de l'acacia et de l'huile de baobab. En fait, c'est un gel qui contient des actifs naturels, hydratants. C'est un soin doux. Pourquoi j'insiste sur le fait que ce soit un soin doux? C'est parce que si vous utilisez un soin qui est agressif, vous allez en fait stimuler vos glandes sébacées et vous aurez de la brillance et du sébum. Et ce n'est pas du tout le but. C'est pas du tout le but. La crème Sonia, le gel nettoyant Sonia, en fait, va à la fois nettoyer, hydrater et nourrir votre peau. Elle va nourrir la peau parce qu'elle contient des actifs naturels qui contiennent des éléments nutritifs, des vitamines et des acides aminés. Donc, c'est vraiment un soin nettoyant que vous allez utiliser le matin et le soir. Vous mettez juste une petite goutte, en fait, sur la peau, sur le visage, vous émulsionnez. Et surtout, vous n'oubliez pas, vous n'allez pas, quand, lorsque vous allez sécher la peau, vous allez tapoter, d'accord? Donc, la peau, vous la lavez afin qu'elle soit hydratée et nourrie à la fois. Et ça, c'est très important. D'accord. Et du coup, par rapport à cela, est-ce qu'il y a des recommandations plutôt le soir, le matin, ou bien est-ce qu'une fois par journée seulement? Alors, en fait, il faut se nettoyer la peau tous les matins. Tous les matins, il faut se démaquiller. D'accord? Donc, il faut se laver la peau tous les matins. Et tous les soirs, même si vous n'avez pas de maquillage, il vous faut absolument vous nettoyer la peau afin d'enlever les impuretés et d'enlever, en fait, l'excès de sébum. Ensuite, d'accord. Voilà. Justement, donc, première étape. Donc, en fait, cette première partie-là, on peut carrément laisser dans le... On va dire, on dans peut la carrément salle laisser dans la salle de bain. Okay. Ah oui, sur votre lavabo, vous avez, moi, en tout cas sur mon lavabo, j'ai toujours mon gel nettoyant parce que vous l'utilisez le matin, le soir, vous l'utilisez tout le temps. Il faut toujours nettoyer votre peau, sinon, il y a des gens qui disent, ah oui, moi, je ne me nettoie pas la peau, je ne mets pas de produit, mais en fait, vous allez avoir une accumulation de sébum et c'est après, vous allez avoir des imperfections. Donc, toujours se nettoyer la peau. OK. Et ensuite, est-ce qu'il y a une autre étape? Bien sûr, après s'être nettoyé la peau, elle est prête maintenant à recevoir les soins. Donc, vous allez utiliser le gel éclat. Je dis que ce gel éclat, vraiment, c'est une petite magicienne. Pourquoi? Parce qu'elle a pour but de rendre la peau lumineuse tout en évitant qu'elle ne luise. Et oui, il faut ça. Pourquoi? Parce que en fait, elle va raviver l'éclat de la peau, mais en même temps, elle va éliminer les brillances. Et donc, les pores vont... elle réduit en fait l'apparence des pores et elle va diminuer la quantité de sébum. C'est aussi un petit gel qui va en fait favoriser la disparition des taches et des imperfections. Et surtout, franchement, dans le gel éclat, il y a une peptide. Il y a une peptide, en fait, qui est encapsulée. Et cette peptide, en fait, elle va servir à unifier le teint. Et comme elle est encapsulée, lorsque vous allez passer sur la peau, elle ira là où la peau en a le plus besoin. Donc, vraiment, vous avez un soin adapté à votre type de visage. Donc, en fait, ce gel, je dis que il est vraiment bien, il va travailler en fait sur la zone grasse, mais aussi sur la peau sèche et normale. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser deux produits. Il est vraiment idéal pour la peau mixte parce qu'il vous permet vraiment de raviver votre éclat en vous évitant de briller. Et elle hydrate, bien sûr, les zones normales à sèche. Et vous allez la passer également le matin et le soir. OK, d'accord. Et ensuite, après, on passe à quelle étape?
Et ben après, et ben on continue à traiter sa peau, on va passer un gel hydratant. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas une crème hydratante, mais un gel hydratant? Tout simplement parce que tous ces produits contiennent de la gelée d'aloe vera qui va hydrater, cicatriser. Et ce gel hydratant va donc hydrater, équilibrer et rafraîchir votre peau, tout simplement. Il faut toujours hydrater sa peau parce que lorsque votre peau elle est déshydratée, au contraire, il y aura une production supplémentaire de sébum pour pouvoir compenser en fait la perte hydrique. Donc, il est super important d'hydrater sa peau. En plus, dans ce gel hydratant, c'est écrit gel moisturizer, vous avez de l'aloe vera, donc qui va hydrater, qui va nourrir la peau et qui contient des agents nutritifs. Vous avez aussi de l'huile de jojoba qui a un sébum régulateur. Vous avez également des extraits de grenade et de ginkgo, qui vont, plus d'autres extraits végétaux, il y en a 10, qui vont en fait hydrater la peau. Et enfin, vous avez du collagène. Et donc, le collagène va aussi favoriser le raffermissement et l'hydratation de la peau. Donc, avec ce produit, ben, mesdames et messieurs, eh ben, la peau, elle est vraiment hydratée, elle est hydratée, elle est vraiment équilibrée. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Alors, je vais mettre le gel hydratant, une petite noisette de gel hydratant. Je vais étaler. Et vous voyez, ma peau, elle est telle qu'elle, elle ne brille pas. Ces produits sont excellents parce que la peau, elle ne brille jamais. Je vais également mettre le gel hydratant. Et vous verrez que le gel hydratant, j'en mets, j'étale. Regardez bien, j'étale. L'aspect est lisse, uniforme, d'accord, mais il n'y a aucune brillance. Donc, c'est idéal que vous soyez maquillée, que vous ne soyez pas maquillée. C'est un soin qui est idéal parce qu'elle matifie en fait la peau. Vous ne brillez pas. Donc, c'est très bien parce que vous ne brillez pas. Pourtant, votre peau, elle est nourrie en profondeur. Elle ne brille pas. D'accord? Et le teint est matifié. Donc, c'est vraiment un produit qui est idéal pour la femme active et même les jeunes, puisque on a vu Siana qui elle, aujourd'hui, a offert la trousse Sonia en cadeau. N'est-ce pas, Siana? Exactement. Et vraiment, je suis impressionnée. C'est vrai que je suis toujours impressionnée quand je vois ces démonstrations, parce que ce que j'apprécie avec ces produits, c'est qu'on voit un effet immédiat. Est-ce que tu montes là? Tout à fait. La peau, elle ne brille pas. Donc, c'est vraiment l'idéal. Et comme c'est la zone T, en fait, c'est une zone qui a tendance à briller. Il y a des gens qui disent « Ah oui, mais je ne peux pas me mettre de la crème parce que je vais briller. » Par exemple, nous, aux Antilles, il fait tout le temps chaud. Il y a quand même beaucoup d'humidité dans l'air. Il y a certaines femmes qui disent « Ah oui, moi, je ne mets pas parce que je vais transpirer. » Eh bien, non. Comme vous voyez, eh ben, le gel vous laisse une peau matifiée alors qu'en profondeur, elle est hydratée. Mais ce sont les actifs qui ont été utilisés qui permettent cette hydratation, l'uniformisation du teint. Donc, vraiment, c'est parfait pour la femme active et également même pour les jeunes filles qui commencent à faire leurs soins. Ben, c'est super tout ça. En résumé, on nettoie en douceur, on uniformise le teint, on équilibre et on nourrit. En même temps, on hydrate la peau. Tout à fait. Mais ça, c'est la journée qu'on fait ça, le matin et le soir, Apolline. Mais pour le soir, spécifiquement, on le fait une à deux fois après avoir fait son gommage. On a le gel masque. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser des masques, mais ce gel masque, vous allez voir, il est transparent. Donc, ça signifie que ce gel masque, il va être absorbé par la peau, vous étalez, d'accord? Et ensuite, il sera absorbé par la peau, il est transparent. Il est transparent. Donc, ça signifie que pour une fois, vous allez avoir un masque avec lequel vous allez dormir et votre mari ne le saura pas. Donc, vous serez belle même avec votre masque. Et ce masque, en fait, il participe au renouvellement cellulaire. D'accord? Il contient de l'aloe vera qui va hydrater,
Il va permettre de nourrir la peau pendant la nuit grâce au bambou à la réglisse, donc qui contiennent des antioxydants et qui vont aider à unifier le teint. Et la pomme, il y a des extraits de pommes dedans, en fait, qui vont affiner le grain de peau. Et enfin, il y a des huiles qui sont séborégulateurs. Donc, vous m'avez entendu parler de tout ça. Tous ces mots, je les ai utilisés avant. C'est-à-dire que pendant la journée, vous allez prendre soin de votre peau. Et deux fois dans la semaine, lorsque vous allez mettre votre masque, vous aurez tous ces effets d'hydratation, d'uniformisation, de nutrition pendant toute la nuit. Donc, le masque va participer au renouvellement cellulaire. Donc, vous prenez soin de votre peau le soir, même en dormant. Et ça, c'est très important. C'est le meilleur moment pour prendre soin de sa peau, c'est le soir, puisque vous êtes reposé. Et de toute façon, quand on dort, le renouvellement cellulaire a lieu. Donc, c'est le moment idéal pour pouvoir utiliser son masque. Et d'habitude, on met le masque et ensuite on l'enlève avant d'aller se coucher. Et bien là, on dort avec, vous voyez, et bien il est en train de sécher, d'accord? Donc le soir, vous mettrez votre masque. Pareil, ce n'est pas gras, c'est vraiment doux, c'est vraiment très lisse et ça ne se voit pas. Donc vraiment la trousse idéale, mesdames, à s'offrir ou à offrir pour la fête des mamans. Et moi, justement, j'ai une petite question. Combien de temps en moyenne te dure une trousse? Bon, ma trousse me dure une bonne année. Une bonne année, oui. Ma trousse, c'est vraiment un investissement idéal. Parce que, en fait, les produits contiennent très peu d'eau, donc ils sont très concentrés. Moi, quand une cliente me dit oui, mais je lui dis non, c'est que si je dois t'acheter déjà quelque chose, sauf peut-être le gel nettoyant, d'accord, le gel nettoyant qui va durer un peu moins longtemps, je dis c'est que tu en utilises trop. Il faut vraiment utiliser une noisette parce que ce sont des produits qui sont concentrés. Donc, c'est un très, très bon investissement, Apolléon. Tu peux y aller, je suis sûre que tu vas pouvoir offrir au moins 4 trousses. Hein. Messieurs, vous avez entendu, messieurs. Écoutez bien, messieurs. Une année, une trousse, une année, messieurs. C'est un super investissement. C'est un investissement. Je dis ça, je dis rien. Alors, mes amis, je vous ai dit que je suis à un anniversaire. Donc, je suis aujourd'hui à l'anniversaire d'Alicia. Déjà, je vais vous demander de lui souhaiter. Salut, Alicia. Salut. Joyeux anniversaire, Alicia. Joyeux anniversaire. Donc, Alicia, qui est ma belle-fille, et elle a reçu un très beau cadeau. Donc, mon cœur, qu'est-ce que tu as reçu? La trousse Sonia. C'est ton plus beau cadeau, n'est-ce pas? Oui, ben, je n'ai pas reçu mes cadeaux encore, mais en tout cas, pour moi. Tu l'as en avance? Oui. Donc, celui-là, et il y a ça, l'illuminateur gel. Voilà, qui va raviver ton teint. Attention. Okay, il va raviver ton teint, oui. D'accord. Après, il y a le refermier gel masque. Oui, le gel masque que tu mettras le soir. Et je viens de montrer, il est transparent. En fait, tu vas pouvoir dormir avec. D'accord. Surtout, tu le rinces le lendemain. Donc, il va participer au renouvellement cellulaire. Et donc, ta peau sera hydratée, raffermie, uniformisée pendant toute la nuit. D'accord, super cool. J'ai le Soning Gel Moisture. Alors, c'est le gel hydratant. Voilà, c'est ta crème de jour et de nuit. On n'est pas obligé d'avoir une crème de jour, une crème de nuit. C'est la même crème qu'on utilise pour la nuit et le jour. D'accord. Et du coup, il y a celui Refreshing Gel Cleanser. Pardon, je ne sais pas. Voilà, c'est écrit en anglais, c'est bon. Oui, pardon pour mon anglais. Il n'y a pas de souci, t'es pardonné. Donc, c'est le gel nettoyant à utiliser matin et soir sur ton visage. Tu n'en mets pas trop, comme je disais, ce sont des produits qui sont super concentrés, qui peuvent te durer une bonne année. Donc, tu mets vraiment une petite noisette. D'accord. Et voilà, tu en mets sur ton visage et surtout, bon, tu es encore très jeune et très fraîche, mais tu n'hésites pas à en passer sur le cou également. Bon, en tout cas, merci, c'est super gentil des conseils. Et de toute façon, avec je fais un petit retour à Tiana pour dire si c'est bien ou pas.
Oh, mais je t'assure que c'est bien. On attend ton retour alors. Et d'accord, merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. À vous aussi, ok, au revoir. Bye bye. Bon, merci Alicia. Vous avez vu, ça tombait bien. Eh ben oui, c'est parfait. Ça tombait très bien. Une bonne idée cadeau. Donc, ah oui, c'est ton cadeau de fête des mères aussi. Ah oui, bah oui, c'est vrai, je suis mère en même temps. Ouais, c'est pour les jeunes mamans. Ça convient très bien pour les jeunes mamans aussi. Mais c'est un cadeau qu'on peut offrir à l'occasion de la fête des mères, mais comme fait Siana, quelle que soit l'occasion, pour un anniversaire, voilà, c'est un cadeau idéal. Par contre, je tiens à rebondir sur le fait que c'est un produit intéressant, économique, parfait et économique, mais ça ne signifie pas que les hommes n'offrent pas le cadeau de la Saint-Valentin, etc., et des anniversaires. Attention, ils sont malins, donc je préfère... Ça, c'est des clichés, mais non, ça, c'est des clichés. Des clichés, des amis. Non, mais en fait, le fait que ça dure une année, c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant. Oui, mais il y en a qui peuvent mal interpréter à peau. Donc, vous direz, mais comment, ton cadeau de fête des mères n'est pas fini? Quand il sera fini, je t'offrirai un autre cadeau. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Mais justement, une question. Les hommes peuvent utiliser la trousse Sonia? Bien sûr, Apolléon, bien sûr, parce que les hommes ont également la peau mixte. Donc, c'est un produit idéal également pour les hommes. Parfait. Et madame peut, parce que parfois, il y a des hommes qui sont un peu réticents pour prendre soin de leur peau, et ben, ils vont en profiter pour que madame puisse leur faire un petit soin également. Voilà. Et puis, c'est super agréable, puisque mesdames, quand on fait les choses à deux comme ça, c'est agréable. La fête des mères approche, mais juste après, il y a la fête des pères. Je dis ça, exactement, je dis rien. Exactement, exactement. En parlant de ça, après, tu n'étais pas censée, je viens de penser, dans une des émissions, il me semble qu'on avait dit que tu devais tester, tu sais quoi, il y avait un produit que Domi elle avait présenté, tu devais le tester pour le visage. Pour le visage, un produit que Domi a testé. Alors, il n'a pas testé. C'est la trousse infinite, c'est ça? Oui, je crois que c'était parmi la gamme infinite. On avait dit qu'on allait tester quelque chose. Bah, en fait, je ne l'ai pas encore reçu. C'est tout simplement pour ça. Mais sinon, en ce moment, je teste ça. On ne voit pas bien. Tu testes quoi? Voilà. Je teste... On voit. Ah, OK. L'alpha factor. L'alpha et factor. L'alpha factor? Oui. Yeah. Mmh. Yes, et franchement, waouh. Parce que j'allais te poser la question justement, Apolléon, pourquoi tu le testes? Je t'ai entendu waouh. Ben, en fait, le truc qu'il y a, c'est que je passe de la crème sur moi et puis je me suis dit, ah ben tiens, puisque je devais envoyer normalement Alpha Factor à quelqu'une. Mais étant donné qu'elle l'a déjà, je me suis dit, ah ben tiens, je vais l'utiliser. Et donc, du coup, je mets quelques gouttes en mélangées avec ma crème normale, une crème à base d'aloe. Et ben, c'est juste extraordinaire parce qu'au boulot, on m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait à ma peau. Mes collègues ont vu la différence après 3 jours. Ah ouais! J'avoue que le sérum Alpha Factor, c'est l'un de mes sérums préférés. J'ai des produits phares, mais franchement, moi aussi, c'est mon coup de cœur. Il est vraiment bien parce qu'en fait, c'est vraiment complémentaire de la trousse Sonia puisque vous allez le soir avec le masque, il y aura cette régénération cellulaire. Mais avec l'Alpha Factor, il y aura cette régénération cellulaire aussi grâce à ce sérum qui contient de la bourrache. Mais c'est vraiment un excellent produit. Donc, il faut le passer. Il faudrait, si vous achetez l'Alpha Factor, moi, je vous le conseille. Hein, vous le passez, vous le mettez, vous mettez quelques gouttes juste avant votre crème hydratante. Et c'est un sérum qu'on utilise pour le visage qui est vraiment, vraiment efficace comme l'a dit Apo. Mais vous pouvez également l'utiliser lorsque vous avez des vergetures. Sur les vergetures, sur tous les problèmes de peau, puisqu'il participe à la régénération cellulaire.
Et vous pouvez également l'utiliser pour vos cheveux. Lorsque vous avez un masque capillaire, vous en mettez aussi dans ce masque. Donc, c'est vraiment pareil. C'est un super produit. Et puis, c'est un sérum qui ne coûte pas cher. Lorsqu'on regarde les sérums Dior, etc., on voit les prix, on se dit « Waouh, mais c'est super cher !» Alors que le sérum Alpha Factor, c'est un produit qui va durer également très longtemps, qui est de très, très bonne qualité avec vraiment des produits, des actifs très intéressants, mais qui reste à un prix vraiment raisonnable. Donc, c'est également un très, très, très beau cadeau à offrir. Mesdames, messieurs, bon plan. Notez ça, tu l'as déjà utilisé ou pas, le sérum? Ben justement, avant que tu me poses cette question, je viens de dire à ma fille, ben mon conjoint doit donner davantage d'argent parce que là, il y a des produits à acheter. Hein. Non, vraiment. Non, je dis de vrai. C'est un projet, mais là, ce projet-là va être accéléré parce que je veux ce produit. Non, mais tu devrais vraiment. Il est vraiment génial. J'en mets le matin, j'en mets le soir. Et une petite astuce, moi, je mets le sérum Alpha Factor juste avant mon masque pour dormir. Donc, les deux vont travailler, vont participer à la régénération cellulaire. Et ce qui est intéressant avec le sérum Alpha Factor, bon, si j'avais su, j'aurais pris ma salle de bain. C'est pareil, vous allez le mettre, il est un peu huileux, mais lorsque vous le passez sur la peau, elle ne brille pas. Quand je fais les stampes, c'est vrai. Exactement. La peau, elle ne brille pas. C'est pourtant un sérum huileux, mais lorsque vous allez le passer, les clients vous disent « Ah ouais, mais je ne brille pas. » Je dis non. Donc, tous nos produits sont hydratants, ils sont performants, ils sont hydratants et surtout, la peau reste matifiée. Et puis surtout, il y a un truc que j'aime avec... franchement, là, ce produit est en train de devenir mon chouchou parce qu'il y a un truc que j'aime, c'est que ça rend la peau douce. Mais c'est incroyable! J'avoue. Et toi, Siana, t'as déjà fait l'expérience? Oui, c'est un produit que j'aime. Dès que j'ai commencé à l'utiliser, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'autour de moi, ben, j'ai beaucoup de personnes qui l'utilisent et qui sont peut-être connectés. Et moi, ce que j'apprécie, ben, c'est le côté matifiant. Il est économique. Et aussi, je le passe sur mon corps parce que j'ai remarqué que je le mélange avec autre chose, un autre des produits qu'on a qui s'appelle MSN. Et ça atténue beaucoup les vergetures. Ça raffermit la peau. C'est ce que j'ai constaté. Tout à fait. Tout à fait. Et en regardant un peu sur les réseaux, j'ai même vu que l'Alpha Factor était utilisé pour raffermir les seins et les fesses. Donc, vous voyez, c'est vraiment un produit visage à la base, mais on se rend compte que l'effet que ça a sur le visage, vous pouvez l'avoir sur le corps puisque ça régénère les cellules, ça raffermit. Donc, vous allez également pouvoir l'utiliser sur votre cou parce que quand on commence à avoir 40 ans, on a la peau un peu du coup, le décolleté qui commence un peu à flétrir. Eh bien, vous allez l'utiliser sur le visage, le cou et le décolleté ainsi que sur le reste du corps, sur les autres zones, sur les imperfections. Et sur les seins, ça raffermit. C'est normal, c'est du naturel. C'est normal, c'est du naturel. Oui, vous pouvez tester. Vraiment, vous pouvez tester. Si vous connaissez un distributeur, vous lui demandez de vous faire un soin du visage ou vous lui demandez de vous faire tester. D'ailleurs, en parlant de ça, donc pour vos commandes, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc, mes amis qui nous suivaient, chers auditeurs, pour vos commandes, comme d'habitude, et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Et on vous remercie vraiment pour votre fidélité, votre confiance. Vous pouvez passer soit par le biais de... Donc, je vous ai mis toutes les pages, hein, soit par Flavia qui est avec nous, qui est connectée avec une très belle page, Beauty Shoes. Vous pouvez aller liker sa page. Apo, la page I Love Aloes. Churchill qui a aussi beaucoup de fans sur Instagram, sur Instagram, sur Facebook. Donc, vous pouvez passer par elle ou encore par moi-même. Ou Marie-Laure qui n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas, vous avez vraiment un panel de personnes où vous pouvez passer vos commandes. Oui, justement, par rapport à ça, j'ai une petite annonce à vous faire. Alors, cette semaine, c'est la fête des mères, vous le savez tous. Toute l'équipe se tient à votre dispo
C'est-à-dire que sur nos boutiques, chacun sur nos boutiques en ligne, on se tient à dispo 24 sur 24 pour que vous soyez livré au plus tôt. Donc, vous avez la grand-mère qui habite en Eure-et-Loire. Vous avez une tati qui habite dans le Var. Vous avez une grande tante qui habite à Brest. 24, 48 heures grand max. Ils sont livrés. Donc, passez vos commandes en ligne et vous entrez les adresses et tout. Et vous avez la garantie qu'ils seront livrés dans les 2 à 3 jours grand max. Donc, pensez à cela, puisque en fait, on commence à être déconfiné, mais c'est pas encore ça. On va pas pouvoir se déplacer un peu partout pour aller voir tout le monde. Pensez à cette méthode très simple. Hein. Vous allez sur le site, vous passez commande, vous entrez l'adresse exacte de la personne à qui vous voulez faire le cadeau. Et voilà, c'est fait. Cette semaine, on est au taquet pour vous servir. Vous passez par le distributeur que vous aurez choisi et nous sommes là pour répondre présent. Alors, Apo a totalement raison. Effectivement, nous, on sera déconfinés mardi. Donc, tous les magasins sont fermés. Tout le monde va s'agglutiner dans les magasins. Donc, risque de contamination. Donc, c'est vrai qu'en passant commande en ligne, vous êtes en sûreté ainsi que vos proches. C'est vrai que je sais que c'est vraiment intéressant parce que Tchotcho, elle a envoyé une commande ce matin à Nice, justement. Et je ne sais pas si vous avez pu lire sous les yeux d'Alicia le bonheur de recevoir une trousse comme ça. Et je sais que si vous voulez mettre des paillettes dans les yeux de quelqu'un, eh bien, on a Léonore qui nous regarde. Bisous, Léonore, bonjour. Coucou, Léonore. Bonjour, bonjour. Et vous savez que Léonore, je profite pour le dire, parce que Léonore, sa fille Annabelle, est une grande fan de la trousse Sonia. Elle l'utilise régulièrement et elle est très fidèle à cette trousse. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne idée cadeau. Vous allez pas, la personne va aimer. Et surtout, c'est ce que je disais ce matin, parce que j'ai vendu une à un monsieur et je lui ai dit que ce qui est bien, c'est que nous, quand vous offrez le cadeau, ce n'est pas un cadeau qui se met comme ça. On va mettre notre carte, nos coordonnées et on pourra expliquer à la personne comment faire sa routine. On pourra prendre le temps avec elle pour lui expliquer c'est quoi. Parce que des fois, comme je disais, des fois, on vous offre du diamant, mais si vous ne connaissez pas, vous pensez peut-être que c'est un caillou, que c'est un bout de verre. Alors, il vaut mieux vraiment qu'on vous conseille en plus, qu'on vous explique. Comme ça, la personne, elle va prendre la dimension vraiment de ce produit naturel qui est efficace, qui va vraiment changer son quotidien. Parce que je peux vous dire que quand on voit quand les collègues comme Apo arrivent, ils disent « Oh, qu'est-ce que tu as fait et tout ?» On est content. On dit « Ouais, oui, j'ai passé quelque chose. » Donc, mettez un peu de bonheur comme ça. C'est une manière aussi de faire plaisir. Alors, Léonore nous a mis un petit commentaire, non ? Elle a mis des... Et je voulais rajouter que nous, en Guadeloupe, comme on est sur une île, et bien quand vous offrez une gamme, que ce soit la gamme infinie, que ce soit la trousse Sonia, et bien on a la possibilité d'offrir également un bon pour que la personne qui reçoit le cadeau reçoive également un soin découverte du visage gratuitement. Donc la personne elle est conseillée sur ce que vous lui avez offert et comme disait Siana, elle sait l'utiliser, elle l'utilise correctement. Voilà. Super. Petit message bon plan à nos amis domiens. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, notre émission va toucher à sa fin, les amis, parce que j'ai besoin d'aller manger mon gâteau. Oh, même si Anna, comme. Je te comprends, Siana, je te comprends. En tout cas, vraiment, merci de votre fidélité. Merci à tous. Donc là, c'est l'heure aussi de parler on parle tout le temps de cadeaux. Alors, depuis 2 semaines, on a joué à un jeu et qui fonctionne très bien. On a dit que la personne qui partagerait le plus le live avec ses contacts, il aura un cadeau. Donc, il sera remis à l'occasion de la fête des mères. On va regarder parce qu'on voit les personnes qui partagent. Et celui qui partage le plus aura un beau cadeau, même si c'est un homme. Ben, comme ça, il pourra, s'il a sa trousse, s'il ne veut pas offrir à sa femme, il peut garder. Si c'est
si c'est un produit du visage, il peut garder son produit comme à peau pour lui-même. Donc, on va regarder ça et samedi prochain, on vous dira qui est le gagnant, le plus grand partage. Très bien. Exactement. Et puis, je dis ça juste, mais on commence à avoir un top 10. Hein? On commence à avoir un top 10. Pour les retardataires, il y a encore de la place. Donc, partagez. Le top 10 n'est pas définitif. Alors, je dis bonsoir à Monia de la Tunisie qui nous a rejoint aussi. Et, salut, Monia. Voilà. Bientôt, on aura... Salut. Bientôt dans cette émission, on va recevoir une très belle personnalité qui mérite, qui est déjà connue. Qui est déjà connue, mais qui mérite que encore plus de personnes qui la connaissent. Nous allons recevoir une journaliste éditorialiste, une personne qui est très, et ce qui me plaît dans son parcours vraiment et que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'elle est autodidacte. Elle est autodidacte, elle a tout appris par elle-même, elle est très engagée, très, très engagée. C'est quelqu'un qui est très connu, et j'aurais vraiment aimé qu'elle puisse raconter son histoire et qu'elle puisse... inspirée, qui a pu se motiver à travers son témoignage. Donc, elle sera dans l'émission ben, très bientôt, hein, très, très bientôt. On est en train de voir pour qu'elle soit avec nous bientôt. Ben, c'est déjà pour nous un plaisir de savoir qu'elle sera là et on l'attend avec impatience. Et puis, on va partager ça avec tout le monde. En tout cas, si vous aussi, qui vous nous suivez, vous souhaitez participer à l'émission, ben, n'hésitez pas à nous faire signe. Si vous avez quelque chose à dire, vous avez un message à passer autour du bien-être, si vous voulez faire un témoignage sur les produits que vous utilisez, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez témoigner de votre expérience, eh bien, la porte est grande ouverte, vous êtes les bienvenus. On va se quitter en musique. Merci beaucoup, Flavia, d'être revenue sur le plateau. Merci de m'avoir invitée. Mais je suis chez moi, n'est-ce pas? Oui, tu le sais, moi, tu es Flavia, tu es chez toi et tu peux revenir quand tu veux. À très bientôt. Merci. Alors. Merci pour les précieux conseils. Ciao, ciao, à pauvre. On se retrouve très bientôt. Yeah, à très bientôt. Bye bye, ciao, ciao. Bye bye, à pauvre. Juste une petite information, mercredi, ne ratez surtout pas. On ne vous dit pas encore ce que c'est, mais on vous prévient, les absents auront tort. Ce sera la spéciale des spéciales. Oui, exactement ça, Flavia.